ne va pas chez nous les écarts. On doit faire. C'est comme comment on appelle ça comme un séminaire. Après, c'est après qu'on fait la fête. On doit, ce n'est pas quelque chose que vous allez vous mettre à Facebook. Vous prenez quelqu'un comme un tabacou, vous l'habillez avec les tissus, quoi, avec les peaux de quoi, du tigre sur lui, et l'autre qui est là-bas avec le pain et le canne. C'est quoi ça? J'ai regardé la seule personne que j'ai vu qui dandinait là-bas, la vidéo que j'ai vu dandiner, c'était Elise Battante, avec son cabaret. Un cabaret non-sense, avec un petit chapeau sur la tête comme pour moi aussi. C'est quoi ça? Quand il faut faire quelque chose, tout le monde doit apporter la même tenue. Même ici, quand on fait les tontines ici-là, et on dit maintenant que bon, on va faire un truc extraordinaire pour la tontine. Tout le monde a le même vêtement. Vous faites les choses, tu vas t'habiller avec les tissus de on appelle ça comment? Les tissus de raffia là. Avec les tissus, comment on appelle ça? Les trucs de paille. Excusez-moi un peu. Comment on appelle ça? Les trucs de panthère là sur toi que. On vous a nommé où? C'est les hommes qui portent ce genre de choses. Tu n'es même pas d'abord chef du village, même chef du quartier. Tu n'es même pas chef de famille toi-même. C'est ici à la diaspora que vous avez fait votre chose là. Vous savez, il y a une petite communauté. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ne laissez pas comme ça, mettez les cœurs. Il y a une petite communauté ici, et quand ici, à la diaspora, ils sont là, il y a Zogo. Soit disant l'ancien communiste qu'on avait chassé au Cameroun là. Zogo. Elise Battante. Celle qu'on appelle, celle qui a deux tours là. Qu'on appelle Victoria Vasquez. Mais je ne vous comprends pas. Vous tous là, vous dites que nous on n'est pas bien parce qu'on aime Flore. Mais Lolo aussi est bamléqué, non? Mais vous partez tous chez Lolo. Lolo n'est pas bamléqué parce qu'elle dit qu'elle est née à Crimée. Je ne sais pas vos choses là. Vous j'aime à quoi? Quand il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose digne de ce nom. Hein? Comme moi, je suis avec Flore de Lille, j'ai décidé que non, moi je suis avec ma femme Flore de Lille. Plus de problème avec elle. Ça les donne nous une comme moi ici non grata. Vous partez tous un côté. Pour aller où? Lolo n'est pas de l'Ouest. Donc, quand vous faites vos choses, il faut souvent faire les choses bien, propres. Quand on voit pour les bamlekés ici, c'est propre. On voit pour les bassins ici, c'est propre. On voit pour les doigts alors c'est propre. La chimamelu sort. Mais regardez-vous. Vous êtes chez nous d'abord combien? Au lieu que tout le monde s'habille en pagne, et ceux qui sont habillés comme des prostituées, et ceux qui sont habillés avec une personne en pagne, et l'autre qui est habillé là-bas, c'est le désordre total. Il y a même qui? Hein? Et vous allez dire que vous avez à choisir, vous l'avez, vous les qui? Vous, en petite communauté, parce que moi je ne reconnais pas comment on appelle, Katebanku est le président de la diaspora. Hein? Il a fini de chouer les élections là-bas, des députés là-bas au Cameroun. Maintenant, c'est que. Il a dit que vos choses là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a aucun président écran ici à Facebook. Peut-être que les écrans de Facebook, hein, parce que si c'est les écrans en dehors de Facebook, moi, peut-être que parce qu'à Facebook ici, tout le monde est chef, tout le monde est président, tout le monde est. Il y a tellement les généraux, les générales ici à Facebook, tout le monde sait même plus qui commande qui. Peut-être que c'est à Facebook, hein. Par exemple, pour dire que les gens de quoi, diaspora, les présidents des écans, les diaspora, ça c'est une injure pour nous. Moi, c'est une injure. Hein? Ne m'associez pas à vos choses des écans, des diaspora là. Je ne connais pas. C'est quoi ça? Il faut même voir les vues, il n'y avait pas les vues, il n'y avait même personne, c'est dans un désordre total. Alors que c'était un truc qu'il fallait entrer gratuitement. Même gratuitement, les gens ne viennent pas. Vous savez, la communauté écran qui est à Strasbourg. Strasbourg, c'est pour les écrans. Hein? Il y a plusieurs écrans là-bas à Strasbourg. Là-bas, c'est les écrans qui sont là-bas. Non, ils sont même plus nombreux à Strasbourg de ce côté-là qu'ici à Paris. Mais il y avait qui? Il y avait qui? Vous avez le désordre. C'est la noire, ma noire, elle alors, là où elle cherche là où on peut la voir. Partout, elle est. Moi, je n'ai pas un problème, qui que ce soit avec quelqu'un. Hein. Mais, je dis seulement que, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, qu'il faut faire quelque chose, on doit avoir notre structure. Déjà, même une tontine des écans, il n'y a pas. Les écans sont obligés d'aller se clôturer dans les tontines de Babliké. Je suis témoin. On a quoi? On devait quelque chose, un bon truc, on dit que bon, diaspora, hein? Extraordinaire, comment on appelle, un truc extraordinaire, comme on dit souvent là. Rien. Vous partez faire un truc à la petite communauté. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, il y avait le nombre de personnes qui étaient au podium. Même à la salle, il n'y avait pas les gens dans la salle. C'est tout le monde qui va aller au podium pour qu'on filme. Mais qui filmait alors? Il y avait qui? Vous avez pris les caméras, il y a eu les photographes. Tout ce que vous faites vraiment, c'est une honte pour nous. Vous êtes toujours derrière les autres. Regardez alors. C'est pour ça que moi je porte ça. Quand on a dit ici que, oh,
Voilà, c'est ça qu'on doit poser. La première stamp, la Kata qui n'a pas payé ça. Le tissu, c'est qui? C'est moi. Moi, je suis parti acheter. Et je me débarque avec ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on m'a dit, moi, je porte mon tissu, je pars. C'est pour dire, moi, je suis toujours partout avec ça. Pour montrer que je suis une écran. Hein? Les gens portent pour eux, les bambins apportent pour eux. Tout le monde porte pour eux. Tu as dit que c'est ça. Vous faites des trucs comme ça, c'est le désordre. Vous aimez seulement manger et boire et envier les autres. Attends, alors quand les gens vont faire leur semaine de tradition extraordinaire, vous allez voir comment ça va être la chimamelure. Il y aura les caméras, il y aura les photographes, il y aura ceci. Pour vous, il y avait quoi? Hein? La salle même d'abord, on dirait un désordre total. Non. C'est bien, hein, votre idée était bien, mais si tu veux t'auto-proclamer que tu es le président des écrans de la diaspora, nous, on doit être au courant. Je dois être au courant. Hein? Tu entends, non? Sandra Rose ne vient pas ici. Tu fais partie des mêmes gens, des fainéants. Tu as loupé parce que tu étais à l'assemblement. Tu as loupé. Tu dis à quelqu'un va dormir. Tu étais où? Vous faites des petites choses, des enfants. Va dormir. Continue avec moi. Tu me connais quand même. Tu as vu, j'ai plus papa. Hein? Quand j'ai retrouvé mon papac. Continuez. Moi, attends que là, je mette ma musique. C'est pas moi avec vous. C'est pour vous dire que mon coup de gueule. Je laisse la jalousie. Bon, moi, voilà les mots que j'aime dire. Sandra Rose, tu me dis, laisse la jalousie. Jalousie en vertu de quoi? De quoi? Faut me dire la vérité. Jalousie de quoi? De qui? Parmi eux-là. Quand on a dit qu'on porte ça, la première blogueuse qui a porté ça, elle était même fière, c'est moi. Et je le porte partout. Si on dit maintenant là, qu'on cotise 1000 euros dans un tout, tu peux cotiser 1000 euros, Sandra. Moi, je peux cotiser 1000 euros. S'il y a un problème, tu peux. Vous, même le simple pain. Un simple petit pain qu'on vous demande de porter ici à Facebook, tu ne peux pas. Tu vas aller au Cameroun. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux rien faire. Tu aimes seulement la gueule, la Jésus de quoi? Va avec eux, alors on va voir. Qui va devoir vous considérer? On vous considère d'abord. Hein? On vous considère d'abord. Va dormir. Jésus de quoi? Même Victoria Vasquez elle-même, elle était habillée avec la tenue et quand. Elle-même, les gens qui font des désordres à Facebook. Mais. Il y a un problème. Et vous pouvez quand même inviter une invitée extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Le non-pipi. Il fallait entendre le non-pipi pour venir bénir votre truc de bouchement que vous avez fait. On appelle ça bouchement. Que vous avez fait dans la honte là-bas à Strasbourg, c'est tout. Il faut quand même une invitée surprise. Il faut les voir dans un truc là. Hein? Il faut même inviter le non-pipi que le non-pipi, elle porte son top. Vous venez pas vous l'aimez beaucoup, mais vous ne faites rien de bon. Je dis quoi? Tu es quoi? Tu es. Elle dit c'est une notre princesse et quand? Et quand de quoi? Moi je suis direction partout. Hein? Et toi tu es où maintenant? N'est pas tu as quitté Ngossa. Tu étais la boniche de Ngossa. Maintenant tu es avec qui? Lolo Pipi. C'est toi qui es sans direction. Depuis des années quand tu as déchiré Lolo Pipi ici. Dès que quand s'est mis avec Ngossa, tu as quitté Ngossa. Tu es maintenant parti où? Avec l'autre là. La babinique là qu'on appelle. Celle qui a les doigts brûlés. C'est vous qui êtes sans direction. Moi, j'ai choisi que le tout, si je le fais pour le premier avec Ngossa. Ou avec Frédéric, ou avec Parma Sang. C'est toi qui es sans direction. C'est toi qui es jalouse. Parce que tu as vu Ngossa aller faire l'amitié avec Fleur de Lille. Depuis que tu es avec Ngossa, n'est-ce pas, tu prends partout. Wow, 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 j'ai l'argent. Ngossa, quoi? Tu as donné quoi à Ngossa? C'est Fleur de Lille qui sort Ngossa de vos mains. Pour la mettre pas en haut. Vous avez fait quoi à Ngossa? Dis-moi. Les sans direction, tu n'as pas honte qu'aujourd'hui tu appelles Lolo, tu envoies l'argent à Lolo. Tu es venu avec Lolo, non? N'est-ce pas, moi, c'est une Bamileke. Tu as choisi Lolo, la Bamileke. Moi aussi, j'ai choisi Ferry, la Bamileke. Il est où le problème? Je suis sans direction. Je dois vous suivre, hein? Moi, je dois suivre là où il y a les pipis. Là où il y a pas la lumière. Hein? Ne m'appelle pas, moi, Jean. Tu ne m'aimes pas. Je ne suis pas ta soeur. Quand je te mène les fêtes accomplies, tu viens dire que ma soeur de quoi? Tu es malade? Je t'ignore ici. Va saluer ta patronne, là, comme on avait avec son mari, Thierry. Oui. Parce que j'ai dit que je suis avec toi, le Lille. Donc, c'est pour ça que je suis en direction. Et toi, alors, qui quitte Ngossa? On l'a supporté. On l'a fait évoluer. L'a soulevé, comme on dit. Toi, tu pars où? Entrer dans les pipis. Fais le Ngossa chez le Komango. Fais le Ngossa chez le pipi. Elle est où aujourd'hui? Dans les ténèbres. Elle n'arrive plus à faire les vidéos. Maintenant, c'est que. Et j'étais étonné. Elle a laqué mes vidéos tout à l'heure. Hein? Mais là, il faut déjà bien laquer mes vidéos. Eh bien, dis donc. La terre est sale. Très sale. C'est ça? Tu aimes parler de quoi? Ici, il n'y a pas de jus. Ici, je dis seulement mon ressentiment, c'est tout. Ne viens pas m'insulter ici. Les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs.
Mais attends. Vous avez choisi Lolo. Moi, j'ai choisi Fleur de Lille. Lolo est de l'Ouest, non? Quand Karen est de l'Ouest, non? Alors? Lolo dit qu'elle est de Bami Power et qu'elle ne peut pas choisir une. Si on met une Karen et un Bamileke, elle va choisir son frère Bamileke. Elle a dit que Bami Power, oh, elle le répète tous les jours. Mais c'est là-bas que tous les écrans sont là-bas. Elise Batat, aujourd'hui, elle est amie avec Lolo Fodano. C'est vous qui êtes sans direction. Alors, dans le fait que moi j'ai dit que je fais la paix avec Moussa, et que je fais la paix avec Paramessa, et je fais la paix avec Fleur de Lille, en tout cas Fleur de Lille et Mouaka, c'est autre chose. Quand je suis avec eux, ça veut dire que quand ils font dans leur soirée, là, je pars avec eux. En fait, je suis un petit tout que je suis les gens derrière. Je suis toujours chez moi. Depuis, vous me voyez toujours mes vidéos chez moi. Si je pars un peu dehors, là, je reviens chez moi. On vous a dit quoi? Vous avez choisi votre cas, j'ai choisi le mien. Pourquoi m'insulter? Que je suis sans direction, pourquoi? Donc, le est quoi? Le n'est pas Bamileke. C'est pas elle qui a créé Bami Power ici. Et vous signez que n'est pas Bami Power d'abord même. Bami Power d'abord, c'est le nom d'une tontine. À New Bell là-bas. À Douala. Si je me souviens, je me souviens de quand j'habitais là-bas. C'est le nom d'une tontine, hein? Bami Power, comme vous attendez, depuis des années. Ça existe. Le nom me dépasse. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Même si le nom me dépasse, mais tu me dis que le nom me dépasse, alors avec quoi? Je suis chez moi, je suis dans le noir. Avec tout ce qui m'est arrivé dans les réseaux sociaux, je fuis. Vous me voyez fuir les réseaux sociaux. Si tu joues la calacala, on me voit. Même si on me tue, on me voit. Elle, comment elle a commencé à disparaître? Elle va disparaître comme ça pendant un mois. Elle va prendre peut-être, oh, parce que ces pages sont signalées. Aucune page n'est signalée. L'autre jour, Facebook a tourné, Meta a tourné, même ma page s'est touchée. Je suis resté tranquille. Vous me voyez m'habiller, j'ai en longueur comme ça que je ferme tout maintenant là, c'est parce que c'est ce qu'on a dit. Ils disent qu'ils ne veulent plus que je me calme, je ne montre plus ma nudité, je ne fais plus certaines choses. C'est pour ça. Tu entends, non? Le me dépasse avec quoi? J'ai mes deux enfants métis. Mon mari est au cimetière. Je suis veuve du cimetière, non? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai préparé mon haricot, j'ai mangé. Je regarde ma télé. J'ai mon Dagobert, j'ai ma collection. Avec quoi? Elle me dépasse avec quoi? Vous me voyez dehors? On voudrait que je me déplace n'importe comment. Hein? Pardon, va alors là-bas. Tu as trop duré, même ici, pardon. Ça manque. Natacha, yop. Et tu viens parler ici. Si on ne voit même pas ton visage. Je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit. Oui, je suis seulement là pour donner, pour dire que vos histoires que vous faites, il faut faire les choses bien. C'est bien beau que vous avez eu une bonne idée de dire que le président de la diaspora disait quand la diaspora. Mais nous tous, comme ça, on est nombreux là, qu'on devait aussi être informés et être avec vous. Et soulever à tes banques en haut. Mais vous ne l'avez pas fait. Parce que vous choisissez les gens qui doivent être avec vous. Heureusement qu'on est venu en France en détail. Je suis boulou et quand je suis quoi? Oh, ça ne chauffe pas. Que ça vous pèse ou pas. Je suis ma propre patronne de la diaspora positive en France. C'est tout. Que ça vous pèse ou pas. J'ai seulement donné mon point de vue. Et de tout ce que vous avez fait, c'était nul à chier. Point final. Continuez à bavarder. Je vais mettre devant le sambouliment. Vous n'aimez pas la réalité. Vous n'aimez pas quand vous dites la vérité. Vous venez insulter les gens. C'est votre problème là-bas. C'est votre problème. Je ne suis pas avec vous. Donc, Lolo, je mets le. Les gens marchent par catégorie. Vous avez choisi la mauvaise catégorie. Mettez les têtes de mort. Les têtes de mort, ça ne choque pas chez moi, hein. J'aime la musique. Les têtes de mort, ça ne chauffe pas, mes chéris. C'est ça, je suis aux têtes de mort. Galaxy 850017. Étonné aujourd'hui. Je regarde, je vois les autres photos qui met les cœurs. Je dis ok. Là où je te lève, je te lave, tu laves, tu mets les cœurs. Je ne peux plus être ami avec elle. Je ne peux plus. Tu ne peux plus être ami avec elle. Jamais. Non, je ne peux pas. Toi d'injures, toi de. Non, moi je fais ma petite vie là. J'ai Pamessa là-bas, j'ai Ngossa là-bas, j'ai Fleur de Lille là-bas. Tout le monde est dans son coin. Ils font leurs choses. Eux, ils sont dans Balata à toi là-bas. Moi, je suis seul dans mon côté. Mais ce que j'ai dit, c'est que moi je préfère être avec les gens que je vois qu'il y a la lumière devant eux. Pas les gens que chaque nuit, ils sont tous là dans les tout le Congo, ça dans les trucs. Hein? Vous n'avez pas ça. Il faut les voir toujours. Oh, tout. Vous ne dormez pas. Et puis vous voulez que moi je reste encore la carte là.
Dès que tu parles à quelqu'un, la personne t'enregistre, on vient mettre à Facebook. On ne peut pas évoluer. Mais oui, regardez-moi. Je suis habillé comment là? Sandra Rose, je ne parle pas les gens dans mes directs. Tu ne peux pas passer dans mes directs. Tu n'es pas mon ami. Tu ne peux pas appeler, je sais pas. Regardez-moi. Ça, c'est une nouvelle collection de crocodiles. Hein? La cause, ça, c'est la nouvelle collection. Je peux vous montrer, je peux vous mettre là-bas. C'est très joli. Nouvelle collection de Lacoste. Moi, je me porte de Lacoste. Je veux marcher avec les filles qui portent les trucs de Bopi. Je dis que je ne suis pas comme vous. On n'est pas pareil. Non. Je n'accepte pas. On vous aimait tout le Congo, ça. On a dit qu'on a fait que les gens avancent. Nous, on est tués, on tourne. Moi, d'abord, moi, je suis veuve. Une veuve française. Une veuve de cimetière, comme vous dites. Que j'ai tué papa. J'ai papa Laurent. C'est le vrai, hein? C'était mon mari, non? Alors, il y a quoi? Je ne veux pas accepter certaines choses. Non. Parfois, même s'il y a ici à Facebook, tu vois quelque chose qui te plaît. Même si tu ne commentes pas, tu regardes, tu dis que c'est quand même beau. C'est quand même bien. Là-bas, il y a quoi? Les problèmes matin, midi et soir. Le Congo sac, c'est les ténébreux. Sinon, ça part que de dénigrement en dénigrement. Les Congo sac, ils aiment seulement là où on a pu quelqu'un. Là, ils partagent dans leur salle nuit et tout ça. Oui, c'est ça. On va arriver où avec eux? Sérieux? Faut me dire. Là, j'ai fait quoi de bon, on a vu? Hein? Quoi? Attends un peu. Nous, tous on veut le bonheur, non? On veut le meilleur, non? Les arbres, c'est quoi? Nous, les arbres, c'est quelqu'un qui réussit. Quand on quittait l'Afrique pour venir ici, c'est parce qu'on regardait les films Blair Carrington, Dynastie. On voyait comment il y a, c'était là, le pillage, la richesse, les voitures, abaza. Nous aussi, on dit que, dans l'Europe, c'est comme ça. Quand vous voyez la qualité de la télé, vous voulez rester sur place, vous voulez faire tout pour y arriver. Donc, vous croyez que nous, on est venu ici à Facebook pour vous faire rigoler. Tandis que vous passez vos permis, vous avez les voitures, vous avez une vie stable, vous avez tout. Nous, on n'a rien. Moi, je suis toujours là pour vous amuser, non? Moi, je suis là pour prendre l'exemple sur quelqu'un. Là, les réseaux se soumettent dans vos vies. Nous sommes l'exemple. Pour prendre un bon exemple, c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Donc, moi, je vais rester dans une bande que, oh, chaque temps, il n'y a rien. Tu ne peux pas entendre là-bas que quelqu'un a eu un permis ou que tu es télébré là-bas. C'est toujours que le Congo, ça a fait ceci. On a dit que, on a fait que, wow. Chaque temps que Dieu a créé, ok. Tu es télébré là-bas. Il n'y a rien qui avance là-bas. Et ils sont contents. Quand il te prend aujourd'hui, il t'enlève les plumes. Moi, on le coupe. Il t'enlève les plumes ou quoi? Quand on t'insulte. Là, tu attends. Non, ne fuis pas. Regarde-moi. Dieu, adios. Alors, j'ai été souillé combien de fois dans les réseaux sociaux, je fuis. Je suis la calacala. Tu m'insultes, on me tape, oui, je pleure. Je viens, tu m'assois là, je continue toujours à vous insulter là. Je suis toujours là. C'est ça, être dur. Tu ne peux pas chaque fois qu'il y a un problème, qui la première personne qui fuit, c'est qui? C'est toujours toi. Après, tu prends un prétexte, tu fuis. Mais on te voit aller appeler chez vous les ténébreux là-bas. On te voit appeler chez les commandes pour faire le Congo ça. Tu n'as pas les pages. Tu as combien de pages? Donc tu veux que toutes les pages, si que tu as là, aucune page ne marche. Ce n'est pas, ne sont pas monétisés après. Nous, moi, j'ai eu ce problème-là. Je n'avais plus aucune notification. Je n'avais plus rien. À cause de faire ce qu'ils veulent, moi voici, je suis ici avec ma page ici. Ce n'est même pas encore bien rétabli, mais je suis toujours là. Pourquoi sur les réseaux sociaux? Quand tu savais que tu es faible, tu as seulement la bouche. Seulement la bouche. Bon. Oui. Tu es créé une télévision. Ce que tu as fait tous les dimanches, ça marchait déjà bien. Même si je te cochais souvent. Mais j'étais fier de toi quand même que je leur ai fait quelque chose. Mais non, au contraire, au lieu d'aller insulter dans une de tes pages, commissaire pisseur ou commissaire machin, tu ne pars pas là-bas. Tu pars, tu viens insulter les gens dans la page où tu gagnes l'argent. Et que c'est normal. Hein? Et quand toi tu fais ta part, ce n'est pas à moitié, toi tu ne ris même pas. Ce n'est pas à moitié, toi tu bats pas de main forte parce que toi tu veux seulement tuer quelqu'un. La carte que quelqu'un reste seulement qu'un. Hein? Même la respiration fuit une fois. Donc quand tu bombardes les gens, et quand tu vois que tout le monde est autour de toi maintenant, tu fuis les réseaux sociaux, tu vas y aller fuir. Et tu me dis, Koutelina ne fuit jamais Facebook. Voilà mes noms. Degré pute, ma foufou, Koutelina, tous les noms, je connais mes noms à Facebook. Je fuis pour aller où? J'accepte mes noms. Ma Dogue, ma Foufou, ma Degrépu, Koutelina. Tout ça, j'ai beaucoup de noms. Moi, j'accepte mes noms. Parce qu'on fait de moi, que ce n'est pas moi. C'est un jeu, c'est les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Hein? On te dit que pipi, on accepte que je suis pipi. Non. Hein? Un problème qui a passé depuis l'année prochaine. L'année prochaine, on va encore tomber le même problème à revenir que on m'a fait les cordes, on fait ceci. Tu n'acceptes pas pourquoi? Tu acceptes, ça finit. On te dit que oui, je suis pipi, ton nom. Ça fait quoi? Alors, tu n'acceptes rien.
Et c'est toi, d'accord, tu vois qu'on commence à faire ramener dans tous les côtés, tu fuis Facebook. Moi, même si on me bombarde partout, je sais toujours la calacala. Je ne bouge pas. Et je reste dans ma lancée à Facebook. Facebook, c'est du richesse, ça appartient à Meta. C'est tout. On m'a dit, c'est la dernière fois, non. On m'a dit qu'on ne veut plus entendre que moi. Comment on va me voir avec les seins debout, marcher tout, jamais que dans ma billet normalement. Moi, voici, je dis non. N'est-ce pas, ils sont fiers de moi. Et chaque fois que je fais des vidéos comme ça, ma chaîne, tu vois que j'ai. Ils sont contents. Et ma vidéo, quand je dors, je me lève, je trouve qu'ils ont remis quelque chose. Ils ont remis quelque chose. C'est tout. Vous avez tu la gueule. Comme vous êtes que vous avez des teams là, vous dites, il y a des gens qui ont la vraie team ici là. La seule personne qui a une vraie team vraiment bien ici là, sans vous mentir, c'est quelqu'un. Et vous s'assure aussi. Une fois, moi, je n'ai pas de team depuis des années. Moi, je suis électron libre. Moi, j'ai mon backpack. Hein, mon Dagobert. Hein? C'est tout. Moi, j'ai qui? Voilà ma team ici. Backpack. Moi-même, Dagobert. C'est tout. Il ne faut pas fuir Facebook. Après, tu vas dire que tu. Machin. Non, il faut être calaca. Moi, je te conseille. Je ne serai plus jamais ami avec toi. Ce que c'est ça. Parce que je dis que hein, jamais. Mais, je sais déplorable quand tu fuis Facebook. Mieux, tu restes là avec nous. Nous tous, on continue le combat. Comment tu vas faire le combat? Hein? Tu ne peux pas faire le combat. Reviens à Facebook. Tu commences à quoi framponner. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas faire Facebook. Regarde-toi. C'est quoi? Comme ça, on dit souvent, quand vous faites alors, vous gardez que là. Il faut savoir que vous avez les gens derrière. C'est vous qui avez tout. Moi, je n'ai personne derrière. Hein. Moi, je n'ai moi personne. Moi, j'ai Misunga. En dehors de Misunga, j'ai qui? J'ai Meta. J'ai encore quoi? Rien. Vous dites que vous. La grande gueule qui sort. Dès qu'on te frappe deux ou trois fois. Hein? Tu fuis quoi? Sors dans les ténèbres, sors dans le noir. Mais bon, je te connais, je sais ce que tu as fait préparer un coup. Je sens là. Voilà. Tu es instable comme les tourichous. Tu vois les mêmes gens. Oui. Mais attends. Regarde-moi. On me tape la bouteille sur la tête. On me colle. On me donne les coups ici. Et les pleurs. Après ça va Facebook. Je suis toujours là. Je ne fuis pas Facebook. Never give up. Faut continuer, ma soeur. Tu es là, tu es maintenant caché ou dans quel trou maintenant là? Hein? Moi, voici ici, dans mon ganda. Mon ganda. Je suis assis dans mon ganda ici. Malgré les injures, malgré je suis pauvre, malgré qu'on me montre tout. Je suis toujours là. Tu me gueules, je te gueule aussi, sauf si ma part de gueule. C'est ça le game de Facebook. Quand on dit qu'on est star en bracata, il faut avoir la bouche. Il faut assumer les bombes qui sortent de partout. Il faut assumer. Que tu crois que moi, j'ai peur de qui à Facebook? Quelqu'un me tente, je te regarde avant qu'on s'accueille. Il dit que peut-être, attends que je me réveille. On va voir ça. Je me défends. Il faut te défendre. Nous, on va te voir à Facebook. Parce que j'aime quand j'entends qu'elle a dit, elle m'a insulté là-bas. Moi aussi, je regarde. Dès que le jour que je la ramasse aussi, c'est de ça, tu ne dois pas quitter le game. Comment? Oh, tu es faible, hein? Oh, faut pas détruire, mon gars. Regarde-moi. J'ai assez d'énergie, sœur. Une place. Depuis des années. Il ne bouge pas. Et les pleurs, oh. Et les bazabas, oh. Et les injures, oh. Je suis toujours là. Ça a compté les plaintes que j'ai déjà eues dans ma vie. Je suis toujours ici. De toute façon, moi, j'ai vos centimes là que je vais vous payer avec. Donc, ça ne sert à rien. Mais reviens à toi. Tu fais quoi? Regarde ta sœur là-bas. Hein? Ta sœur là partout, oh, États Unis, oh, Pachin, oh, Abazabazabaza, elle est même où, en Allemagne, oh, où toi tu es là, comme moi ici qu'on ne vit jamais. Montre-toi. Maintenant, c'est que quand tu vas taper une personne à toi en direct, elle appelle dans le direct. Oui, c'est comment non? C'est comment non, pasteur? Oh, belle. Comme la première. Antoine Bach, je dis souvent que bébé, on vous a dit que Facebook c'est pour les enfants. C'est pour les duos. N'est-ce pas, tu nous as trouvé, Lolo? Tu m'as trouvé. Tu as trouvé Moussa. Tu as trouvé Flo. Tu crois qu'on est facile? C'est toi qui es venu chercher à Facebook. Hein? Tu trouves les gens comme nous. Les barracudas sont assis depuis. Toi, tu viens là. Pop, pop, pop. Maintenant, ça se dépasse. Tu as le souffle, non? Moi, j'ai le souffle. On n'a que continuer. Ne fuis pas. Il faut rester là, Facebook.
tu pas où. Quand tu veux des consoles, tu fais nous que les mélomaniens disaient même pas. Tu affaiblis ta bande de mélomaniens, tu les affaiblis. C'est vrai. Faut pas affaiblir tes mélomaniens. Ils ont besoin de toi, tu es leur chef. Moi, je suis la chef de Waros, imaginez, parce qu'ils ne savent pas d'abord qui est Waros, ce qui n'est pas Waros. Merci, Gisèle Joe, merci pour les étoiles, c'est gentil, merci beaucoup. Il n'y a que toi. Merci. C'est quoi? Hein? C'est facile. Quand vous venez nous trouver dans les choses ici, après, vous faites attention, hein. Parce que toi, tu es venu nous trouver. C'est moi qui t'ai fabriqué, c'est moi qui t'ai demandé que tu ouvres ta page. Tout le monde a fait comment les problèmes chaque fois, on ne se sépare. On se repart. J'ai décidé que tout, si je veux être ami avec toi. Mais tu as tourné ça pour dire que quoi, moi, ma chérie. Mais je m'en fous. D'abord, José, tu es avec moi, je suis toujours là, hein. Hein, Minko, nous connaissons depuis des années, hein. Avec tout ce que j'ai déjà eu ici à Facebook. Si à l'époque, mais t'as payé. Parce que je suis parmi les blogueurs les mieux payés de Facebook. Il y a parmi vous, vous m'avez pas connu. Tiens, Ndouane. Moi, je suis le feu. J'ai animé Facebook ici pendant le Covid-19, là. Seul ici. La cuisine ici avec mes enfants. Ils sont sortis du Cameroun. Le souffle de ça, à la fin, on voulait me faire assaut final. Assaut final. Comment faire ici? Tout le monde s'est regroupé contre moi. Parce que la jalousie. Les gens me demandent que l'énergie la sorte. Jusque-là, j'ai fini. C'était à chaud. C'est, tu vois, tout le monde était derrière contre moi. Mais jusque-là, oh! J'ai tenu fort, je suis resté comme ça là, jusqu'à la fin. Je dis que, jusqu'à la fin. Liliane aussi, Liliane aussi m'avait porté plainte. Maman, elle se mettait seulement dans la voiture, est-ce qu'elle va porter plainte au commissariat? Et moi je suis là, je dis que va porter plainte, on va voir, va porter plainte, on va voir. Parce que je ne laissais pas. Les gens disent que, hein, tu vas voir là maintenant, hein, on t'a porté plainte, elle a porté plainte. J'étais là jusqu'à aujourd'hui. Où sont les plaintes là? Parce qu'avec moi, tout le monde est ici à Facebook. Mais quand moi je ramasse quelqu'un, hein, moi j'appuie seulement le couteau dans la plaie. Le puits sort. C'est comme ça que je suis. Et c'est toujours moi. La seule personne que tout le monde porte plainte, c'est la veuve joyeuse. J'ai le temps. Si toi on te porte plainte, comme m'a porté plainte là, tu vas faire comment? Qui ne m'a pas porté plainte? Si vous que je compte déjà qui m'a porté plainte ici. Oh, porte plainte, oh. Et avec les maris, oh. Avec les hommes, même les enfants, oh. Et n'a même pas passé dessus. Toi et ta petite fille, la citation directe, je vous porte plainte. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé maintenant que dans la plainte? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Mais toi, dès qu'on te suscite, c'est que papap. Il y avait tout ça, non? Elle passe cachée. Comme un enfant. Parce que tu n'as personne autour de toi. Tu n'as personne. Toi, tes gens t'adorent. Quand tu insultes la pauvre misérable veuve. Veuve du cimetière, ton mari est mort, il t'a rien laissé. Il ne m'a rien laissé. J'ai la tour Eiffel quand même. Moi, je vois la tour Eiffel, je me contente de ça. Vous alors, marié, non, enfant, rien, vous voulez parler à la veuve des démons? Moi, je n'ai pas de type, je suis seule, mais je me bats quand même dans les réseaux sociaux. Que comme m'énerve, que je n'ai pas entendu le direct là, le jour que je vais entendre le direct, je vais revenir sur toi, même si toi et moi n'est jamais amis, je vais revenir sur toi, pour te dire, donc tu m'as pas insulté, je reviens le premier recommence. Avec moi, c'est éternel le recommencement. Si m'avait venu, je vois un jeu quand m'avait insulté que je n'avais pas vu, hein. Je regarde ce que quand tu dis que comment tu m'as insulté comme ça, je ne suis pas contente. Le problème recommence encore. C'est tout, c'est très facile. Quand on dit qu'on est King Kong, on est King Kong. Il faut être King Kong jusqu'au bout, hein. Parce qu'avec moi, quand on commence les problèmes, déjà avec moi, il faut souvent leur dire parce que moi, je laisse pas mes problèmes, hein. Moi, je ne lâche rien. Je ne suis personne, mais je suis toujours la calacale assise. Vous me tapez, vous faites quoi? Je suis là. Même s'il faut faire 20 directs par jour, je vais faire 20 directs par jour. Oui. Parce que je me défends, je n'ai personne qui me défend. Personne. Moi, je savais que dès qu'on va encore te faire, le tout ça va me faire 3 mois sur les réseaux sociaux. Tu m'as encore dit, tu vas prendre quel sujet? Hein? Tu restes là, c'est vrai que j'ai des problèmes aux gens. Vous aimez parler des problèmes qui vous dépassent. Même si on me tape, je m'en fous. Je viens encore m'asseoir. Main de bas. Les gens marchent de haut par catégorie. Je suis toujours là. Zéro paix. Vous vous souvenez quand j'avais dit après que zéro paix, non? À l'époque, maman, les gens m'ont insulté jusqu'à. Oh, la courte femme Yaoundé, si tu es toujours comme ça, tu n'aimes pas la paix. Et j'ai dit que vous nous avez aimés parce qu'on se clashait. N'est-ce pas? Si maintenant, là, on fait la paix, nos pages vont aller où? Les gens,
Le moment qu'on a dit zéro, il n'y a que moi qui reste dans les problèmes avec. J'ai juste fait les problèmes avec tout le monde. Moi seul. Tout le monde était parti à Yopougon. Vous vous souvenez de l'histoire. La toile camerounaise était finie. Vrai ou faux? Maman, ce moment-là, la Poutou était devenue la Poutou internationale. Maman. Notre côté alors, c'était, j'ai dit que je suis resté comme ça. J'ai dit que vous mentez. Vous allez me laisser seul dans les problèmes ici. J'ai commencé à. J'ai dit maintenant zéro paix. Les problèmes ont commencé encore. Tchac, 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 tchac à Facebook aujourd'hui. Maman, on vous a. La toile camerounaise de la diaspora française était devenue nulle. Maman, les Ivoiriens ont tout pris. La seule personne qui n'a pas suivi les Ivoiriens, c'est la veuve Joyeuse. J'ai dit que jamais. C'est là que j'ai créé zéro paix à Facebook. Zéro paix. Mais c'est bien comme ça. On s'insulte. On est là. Regardez-vous aujourd'hui. Regardez. Moi, j'aime quand il y a les problèmes. Parce que quand il n'y a pas les problèmes, je ne suis pas contente. Hein. Ben oui. Moi, je cherche mes problèmes. Même hier, là, comme l'attaché, c'est moi-même qui a créé encore ça. Moi-même. C'est moi-même qui est parti là chercher encore les problèmes. Et je l'avoue, c'est moi. Parce que j'ai mis un document qu'on lui a envoyé. Elle s'est fâchée. Et que voilà, ça n'est pas, tu as dit que voilà les types, si j'ai mis le nom du type, j'ai mis le tout là sur les réseaux sociaux. Pam, la honte l'a tué. Elle est venue me répondre. C'est ça, Facebook. Vous croyez qu'on va vivre comment? Zéro paix. La paix de quoi? Quelle paix ici à Facebook? Quelqu'un manque sur toi. Oh, je t'ai donné un milliardaire, je t'ai donné ceci, je t'ai présenté ce qui. Les milliardaires qui m'ont la checké. Il fallait voir alors. Et boire d'abord un petit verre. Le mec m'appelle, je cause avec le mec. Il me dit qu'il me parle de lui, il me parle de lui, il me parle de lui. Oh, vraiment, la checker. Quand je mange la checker, vraiment. Tu sais pas la checker? Je dis que non, moi je suis camerounaise, je ne connais pas la checker, mais je peux. Si on se voit, si j'ai un appel, je vais la mettre dans un restaurant, c'est le Sénégalais et tout. Oh, la checker, vraiment. Je dis, écoutez, je ne comprends pas. On est là pour faire connaissance. Mais vous me parlez de la checker. Et c'est la carte que tu me montres. On a Tarana Blanc qui m'a la checker. C'est ça le milliardaire là. Et je lui demande, monsieur, vous faites quoi de la vie? Oh, vous savez, moi je suis un vieux de genre. Moi j'ai les beaux mains. Il ne faut que parler de lui, il me montre ses mains. Je dis, oh, vous avez les mains très magnifiques. Il me dit, oui, moi je joue au piano. Je dis, vous jouez au piano où? Je crois qu'il était au conservatoire. Il dit que non, il joue au piano dans les hôtels. C'est la qualité là. Qu'on paye au SMIC. Donc, c'est-à-dire que moi, ça c'est un milliardaire ça. Dans la carte, que quand vous entrez dans les grands hôtels là, tu entends. Donc, les petits DJ qui sont souvent au fond là, qu'on cache même là, on ne veut pas trop les voir. Tu entends seulement la musique qui joue. Donc, c'est la carte là que toi tu me présentes. Et quand il parle que de lui, un but de sa personne, il me parle qu'il m'a la checker. Moi. Un homme qui m'a la checker. C'est moi. Et toi, quand il parle avec une telle passion. Vous savez, moi, la checker, vraiment. Oh là là, que c'est magnifique. Je dis que le type, si vous connaissez, il connaît ma qui à face de lui. Ouah! Anti, Binoa. Il y a beaucoup de versions de la vie. Ma version de tout, c'est la vraie version. Il était tellement passionné quand il parlait de la checker. Ah oui, hein. Vous savez la checker, oh là là, que c'est bon. Vous voyez, il veut me dire, donc je suis jamais le coup de la checker, il veut me montrer comment me la checker. J'ai dit, je veux savoir s'il a des moyens, comment il vit, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Je me demandais s'il a une maison secondaire. Il me dit, quand il m'a dit qu'il loue un petit appartement, une chambre. J'ai dit, pardon. Et il était en sous-location. Et qu'il cherchait une. Il est avec, à quel âge? J'ai dit, qu'un. À quel âge qu'il a 80 ans en sous-location, il va quitter là-bas pour aller chercher son appartement. J'ai regardé Natacha à cause, j'ai dit que Natacha m'attend. C'est quand, à l'époque, elle avait dit que, oh, elle va maintenant faire les rencontres là. Voilà la carte là. Et le notaire, elle ne m'a jamais présenté qui que ce soit. Le notaire, j'ai dit que qui. Donc, le coup, tu sais, c'est un hôtel. Donc, je vois pourquoi ta copine te gêne, nyanga, nyanga, nyanga. J'ai dit que quoi? J'ai pris mon sac, donné au notaire.
J'ai dit que je vais fumer dehors. Dès que je suis revenu, j'ai dit que montons. Quand on monte, ta chapeau, elle coupe la lumière, elle notait, moi on est descendu. J'ai dit que montons, on va arriver. Allons-y. Couper la lumière dans les escaliers pour qu'on tombe au moins une fois. On est venu arriver. On va encore te laver. On a coupé l'eau chaude. Moi, je ne suis pas un enfant. Peut-être que Natacha de Monaco, elle a peut-être cru que je suis. Comme peut-être tout le monde, que je suis fini, que je suis fini, que je ne connais pas la vie. Il faut faire attention. Hein. Je suis une femme à homme. Parce que moi, je peux même coucher avec ton mari devant toi, sans que tu le saches. Je connais mon efficacité. On m'appelle efficace. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Moi, c'est vite fait, bien fait, tout le monde est content. RS. Sans sentiment. Non, SS. Moi, je suis SS. Sans sentiment. Vous connaissez le truc de SS? Les gens, là, les Allemands, là, qui tuaient avant. C'est ce qu'on appelait SS. Parce qu'eux, ils tuaient sans sentiment. Moi, je te tue sans sentiment. Donc, les petits gens-là qui me parlent, là, comment je suis fini? Je ne suis pas fini. Je vous ai expliqué mon problème, qu'il faut que je m'enlève. Dès que je m'enlève, c'est après, ça va. Quand je vais souvent, tu l'as, was. Quand je vais marcher devant les blancs, was. Même toi, même tu me dis que maman, c'est pas vraiment joyeuse là-bas. Tant que toi, tu connais, tu es en train de discuter avec les clients, hein. Moi, je suis à parti. J'y ai descendu deux fois. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Je suis venu pour demander ta biographie de machin. Moi, j'ai cherché mon argent. C'est quoi? Une ancienne ou le voisin pour d'ailleurs, tu comme moi, vous venez à me parler à Facebook comme si je suis une petite débutante? Je ne suis pas une débutante. Je suis quelqu'un de très respectueuse. Si vous croyez que quand vous allez marcher avec moi, je vais porter vos sacs et vous mentez. Ton sac, là où tu as laissé ton sac va rester là. C'est là, qui ça, non? Bah, qui ça? Faut vous moquer des gens, hein, parce que la vie, on ne sait pas arriver que la vie tourne, hein. La vie peut tourner le jour au lendemain, tu te retrouves sans rien, hein. Je suis bon sûr que tu fais sans rien et puis je suis à l'autre dehors. Hein? Je suis ici dans mon bungalow non, depuis des années. Vous avez entendu que la bonne joyeuse l'a chassée dans une maison, elle est partie squatter. Non, je suis toujours là dans mon petit bungalow. Moi, je sais comment payer mon petit loyer. Je paye mon courant, je paye mon petit machin, tout, ma connexion. Je suis moi content là où je suis. Chaque temps, pour vos joyeuses. Je suis la seule qui se trouve dans cette situation. Un jour, je peux voir la lumière. Je suis encore dans le brouillard. Le brouillard là-bas s'est caissé dans ma vie un jour. Et oui, je suis au bout du tunnel. Un jour, je veux voir le bout du tunnel. Le brouillard que je suis, le brouillard va s'éclaircir dans ma vie un jour. Moi, j'ai confiance. I hope. Comment? Tu me présentes, on t'a checké. Et on est dans une maison, il y a des hommes partout. Les hommes sont les notaires, ils sont là-dedans. Ils veulent pas avec qui? Celui-là, le troubadour. Non, moi, j'ai choisi le meilleur. T'as un notaire, allez, hop, on monte. Elle est regardée comme ça avec sa copine. Donc, c'est comme ça que les fils se sont. Donc, tu sais pas, c'est comme ça que j'étais. Renseignez-vous alors bien. Il nous dit, Warriors, dans les hommes sont dans les maisons. Moi, je vais dormir seul. À ce sujet, merci. Mimoy. Mimoy, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, moi, je dois dormir seul. Oui, les hommes sont dans la maison. Anti. Anna, peuple joyeuse. Tare. Je ne dors pas seul. Il y a un seul que bon aussi. Maintenant, les hommes sont là, les beaux hommes. Avec les statues, t'as un notaire. Donc, on va laisser les notaires pour aller prendre les troubadours à côté. Un notable. Pourquoi pas? Je peux aussi être la femme du notable. Oh, Liliane Tchana, comment? Merci. Tant qu'on a la vie, il y a l'espoir. Je sais que même parmi les gens qui me regardent ici, il y a beaucoup de choses qui. Il y a beaucoup d'entre vous vivent presque les mêmes situations. Non worry. Ne vous en faites pas. On ne sait jamais. La pauvre, vos vies peuvent changer. Il y a des gens comme moi que j'ai aidé ma famille, j'ai été avec eux. Quand je ne suis plus rien, moi-même, je ne suis plus rien devant leurs yeux. Donc, du coup, moi, je me mets derrière. Je laisse les nouveaux dans les nouveaux riches leur donner. C'est comme ça que ça se passe. Mais le noyau de cette histoire, c'est qui? C'est la veuve joyeuse. Même si moi, ne me reconnais pas aujourd'hui. Si les gens te cherchent là-bas, mais ça, tu cherches aussi là où on va t'aimer aussi. C'est ça, non? Si les gens te cherchent là-bas, tu cherches là où toi-même tu peux créer ta propre famille. Moi, j'ai ma famille ici à Facebook. J'ai déjà mes petits Warriors qui sont là, qui sont avec moi. Que je sais que même si on se fâche chaque jour, même si je les insulte chaque jour, c'est notre veuve. Ils m'aiment aussi à leur façon. Et moi aussi, je les adore. Et on au fur et à mesure qu'ils sont tous là pour moi, moi aussi, j'apprends à les connaître. Il ne faut pas que tu viennes insulter les gens. On ne sait jamais demain. Hein. Ma vie peut changer. Pour vos vies peut changer. Hein? Vous croyez que quand j'étais avec tout ce que j'ai eu là, je pensais qu'aujourd'hui j'allais me retrouver dans cette situation?
Non. Dans quelle situation je me trouve? Je suis dehors? Non. Je ne mange pas? Non. Je ne m'habille pas? Qu'est-ce que je n'ai pas? Oui. Ça m'est arrivé comme ça peut tomber sur vous le jour au lendemain. Surtout les gens qui viennent dire à Facebook aussi que ouais, elle a riche, ça fait ceci. Voilà les 10 batailles aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est où? Ils ont dit. Hey, la délire. Je suis propriétaire de ma maison. Je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un HLM, qu'il n'y a même pas, qu'il n'y a même pas le balcon pour voir même quelque chose, même les vaches qui... Comment tu quittes dans une maison, même une grande maison? C'est comme un duplex, très beau, avec un grand parking. Il y a même les animaux, hein, les poules, là-bas. Tout. Elles se retrouvent maintenant dans un HLM. Elles sont encore la gueule. On va vous voir vous tous ici à Facebook. En tout cas, ce qui commence à Facebook, hein, va venir nous trouver ici. Donc, continuez à vous moquer de moi. Moi, je suis là avec Massamo. Je vous regarde. On a vu comment, comme Massamo avait dit que, on a vu comment elle est quittée là-bas. Dans la villa. Pour se retrouver dans les HLM. Eh bien, dis donc. Ça, c'est costaud, hein. Continuez à vous insulter la bonne joyeuse. Moi, je n'ai jamais dit que je suis quitté quelque part pour arriver ici. Laissez. Chaque personne a sa vie. C'est trop parler dans la maladie. Donc, vous tous là, vous moquez de la veuve. Je veux vous voir ici, à Facebook. Je dis, je suis en Ganda. Donc moi, je n'ai rien à vous dire. Je voulais seulement vous dire que dans la vie, on ne se moque pas. Quand tu pointes le doigt, si vous voyez, le pouce, tu te regardes que toi-même. Dieu n'est pas fou. Dieu sait comment il a fait ces choses. Et râle. Voilà mes doigts ici. Mes 5 doigts ici ne sont pas de la même taille. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que c'est comme ça que la vie est. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui parce que chacun temps, pauvre, mais avec quoi? Avec quoi? Mais je me suffis, j'ai ma petite misérable vie, je me suffis. Avec quoi? De ma fille, avec quoi? Mais quand j'ai quand même mes petits, si je voulais payer mon petit crocodile, moi j'adore ma marque, moi j'aime bien ces sports. Ça, c'est crocodile, je vous montre ma marque, c'est crocodile. Voilà ça. Vous voyez pas crocodile? Oui. J'ai payé ça et j'ai payé ça. Pour moi, j'ai payé pour ma petite fille. J'ai quand même des crocodiles à la maison. Que ça soit les bonnets ou que ça soit, je paye. Parce que c'est moi et tout, que c'est mon âge, c'est les habits que je dois porter. Oui. Je ne dois plus porter certaines choses. Moi, je ne suis pas là pour dire, bon, pour terminer la vidéo, mais je vais revenir faire une autre vidéo tout à l'heure. Je parlais d'Atebankou pour dire que je ne suis pas d'accord. Si les Yaoundé vous ont élu, les gens qui vous ont élu, que vous êtes devenu on a même dit qu'on est élu quoi, le chef de la diaspora, le chef de la diaspora, tu n'es pas mon chef. Je ne te reconnais pas. Je ne suis désolé. Quand il faut faire comme ça, il faut faire une réunion extraordinaire, on invite tous les partis communes, hein, nous tous sommes bien, on reste 3 jours sur place, on voit ce qui ne va pas dans la diaspora positive des écans. On essaie de corriger ça, nous tous. Hein? Et puis, maintenant, on avance. Vous partez, il fallait voir la salle. Vraiment, je n'ai pas envie de tout insulter les gens, mais je dis que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne connais pas cette diaspora-là. Moi, je suis ma propre diaspora positive. Les gens, quand même, dans chez eux, n'ont même pas. Ils ont vendu les terrains, vendu les tombes. Quand ils ne sont pas reconnus comme chef dans leur propre village, même dans leur propre famille, pas chef. C'est ici, la diaspora, quand vous allez être le chef. Je suis mon chef de famille. Vous entendez? Chef de famille, moi-même. Fais les choses comme il faut. Ne venez pas nous pomper l'air ici. Hé, les écrans, les écrans de quoi? Le manioc. Ouh. Au soin. Pendant que je bois mon Dagobert, je vais regarder mon film chinois. Hé, hey, pardon. On vous a dit que quoi? Veuve, ma chaîne. Il faut les voir dans les choses là. Et les écarts qui sont mis dans cette fameuse réunion-là, à la con. Aucune n'avait le païen écarté sur lui. Même les cas, il y avait Elisa Batin qui la voyait dans le dîner-là. Il y avait aussi, elles étaient ou 2 ou 3 personnes qui étaient dans le dîner, c'est quoi ça? Quand il faut quelque chose, tout le monde s'habille comme il faut. Avec ce tissu. C'est ça. Vous vous habillez comment? Et on dirait, c'était comme si c'était un petit homme, les bars, les villageoises du Soukat, du Soukouat. Rien d'extraordinaire, rien de bon, rien de beau. Hein? C'est vrai. Nous sommes tous des écans. S'il faut faire quelque chose comme ça, là, on doit nous mettre au courant.
On me vient me dire, je veux parler ici à Strasbourg matin, midi et soir. On va trouver un moment déjà pour se voir ici à Paris et puis faire un truc pour partir sur Strasbourg, même si c'est n'importe où on part. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous faites les choses dans la catimini entre vous. Je dis que hein, c'est entre vous. D'abord, qui va devoir c'est que ça. Que j'entends ici, on joue contre Katéban et le président de la diaspora. On va voir ici à Facebook. I am the prêtre. I am the sud de moi. I am the prêtre pour vous, les écrans. Regardez-vous. Vous faites les choses de manière, les choses de pauvres. Vous organisez un truc qui est vraiment extraordinaire et tout, rien du tout. Tu dans ce que, hein, bien. Toujours ça, c'est ça qui nous tue. Parce que l'homme est quand même trop orgueilleux. Toujours entre eux. Ils voulaient faire les choses entre eux, une petite communauté. Et c'est après, vous ne pouvez rien faire. Ici à Facebook. Tant que la WAD, c'est là. Vous ne pouvez rien faire. C'est votre président de manioc là-bas. Du sous-quartier. Que quoi? T'as éca. Oui, on tient. Vraiment. Président de la diaspora. Diaspora des maniocs. Je vous dis d'abord que j'entends ici à Facebook. On va voir ça. Que je reste ici un jour à Facebook. J'entends qu'on parle que voilà, le président de la diaspora a parlé que hein, tienne, on va faire ceci. C'est là qu'on va voir. Regardez-moi les peureux. Quand les bandits sortent les machettes, les bandits, les lâchent ici pour aller tuer par la police. Vous étiez où? Les écans. On ne vous a pas vu, hein? Les petits pauvres, hein? Et les petits pauvres Billy qui a les petits Bamlékés, parce que Billy le giflé, là, c'est un Bamléké, qui a giflé son frère Bamléké. Vous avez abandonné Billy au Cameroun. Maintenant, il cherche seulement où, comment faire pour revenir. Voilà. En tout cas, moi, je suis en France, c'est Newaros. Je suis dans mon mariage ici. Mon mari est entré ici à la semaine. C'est sans le son là. J'ai payé 20 ans. Que j'ai payé. Donc, moi, vos choses là, c'est pour vous là-bas. Je suis veuve de Grémont. Je suis en mariage ici en France. Je ne suis pas venu ici pour suivre la diaspora. La diaspora négative des écans. Je ne suis pas française, oui, parce que parce que je ne veux pas être française. Pour faire quoi avec? Hein? Juste Marie, là, tu dis quoi? Je suis là, je suis à la maison. tu veux que j'aille où? Je dois bouger, j'attends Enamongo là. Je dois bouger. Enamongo rentre de Miami là, et puis après, on va voir mais ça. Parce que normalement, je devais l'amener au Cameroun, mais comme son père voulait l'amener à Miami, ils sont à Miami. Donc voilà. Je t'ai dit, mais c'est du n'importe quoi, hein. Vous faites un truc comme ça, le nom de la Tebanku. Ça. Et nous alors, vous avez VIP de Londres. VIP de Londres était là-bas aussi. C'était pas aussi un digne camp. Moi, voilà, vraiment, hein, pour nous, est toujours un genre. Hein? Ah, maman, Christian de Monaco, en tout cas. Elle a dit comment tu disais qu'ensemble, quand ils sont là, vraiment. Non, la vie, si, hein. Après, les gens vont se moquer de nous ici, que les gens reportent les quoi. Oui, parce que vous avez fait ça, ça démontre vraiment qu'on est nul, que vous êtes nul. Quand Dieu est quand, moi-même je me mets dedans. C'est normal qu'on se dise qu'on est nul. Vous pouvez faire un truc comme ça là, vous n'invitez pas les gens, on n'est pas au courant, c'est vous qui décidez, vous faites votre soirée, machin, fait ceci. Et en même temps, j'apprends que à Strasbourg là-bas, il y a déjà un autre président de la diaspora des écans, que moi-même je ne suis pas au courant, c'est ce que j'ai appris. Donc à Strasbourg, il y a déjà deux écans qui sont présidents de la diaspora, mais nous on n'était pas au courant. Donc, votre diaspora, là, ça s'arrête seulement à Strasbourg. Et vous dites que la diaspora, c'est un peu partout, non? Si je me... Je ne comprends pas. Vu qu'il y a déjà un président de la diaspora à Strasbourg. Diaspora, que nous, on n'est pas de la diaspora, on ne se connaît pas. Hein? Le pouvoir de quoi? Ce n'est pas que le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir peut s'arracher. Même moi, si je peux devenir la quoi? Le tout de porte-parole de la diaspora. Oui. On veut des gens qui sont éloquents. Qui ont quelque chose. Vigoureux, pas les gens qui sont assis, qui n'agissent pas, qui ne font rien. Quand on sortait les machettes et les couteaux ici,
sans compter les rats pour aller tuer les trucs des là partout là. On a vu qui? Il y a une seule femme et qui est sortie avec son père. On l'a renversé. Je ne sais même pas si la femme là, elle a dû avoir un problème. Pourquoi? Vous êtes chez vous. Mais vous êtes en train de discuter les petits postes inutiles qui ne vous apportent rien. Les petits postes inutiles. J'étais sidéré quand je vois. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, il y a passé les cœurs. La vidéo bouge. S'il vous plaît, les cœurs. Moi, je mets les cœurs. J'étais sidéré de voir que. Comment on appelle ça? J'étais sidéré de voir que. Elle me dit quoi? Que à la tribune, là-bas, dans leur tribune, là, il y avait même plus de gens à la tribune que les gens qui sont assis. Donc, c'est tout le monde qui voulait aller à la tribune pour montrer que je suis de la diaspora. Mais, vous avez où sont alors vos tenues de la diaspora? Voilà ça que moi je porte ici. J'ai appris que c'est ce qu'on doit porter. Voici, c'est ce que moi je porte. Hein? Je suis la première femme et quand ici à Facebook. Je ne sais pas qui porter. Et quand je fais ça, parce que j'étais invité, il y a une soirée de Bamileke, et j'ai dansé avec eux. Ils m'ont pas tiré. J'étais bien là-bas avec eux, j'ai dansé et tout ça, j'ai mangé, j'ai bu. On a même continué dans la soirée, on est même parti boire le Dom Pérignon dans un autre truc là-bas à Nouvelle. Après, on est parti dans un autre. On a continué, le lendemain, on est rentré. Ici, on est même sur le parquet, on est rentré même ici. Vous parlez de quoi? Votre diaspora, c'est seulement. Comment on dit nous là? C'est seulement ici à Facebook, hein? La diaspora. Diaspora des écarts, de l'épaisse. On ne peut pas faire comme ça, hein? Là, maintenant, on dit que, oh, machin a fait ceci. Et ils sont tués dans la négativité. Toujours dans la négativité. Hein? Toujours parler, bamler, qu'on fait ceci. Bamileke, on fait ceci, mais Lola, c'est une Bamileke, non? Tu as dit c'est une Bamileke, non? La jalousie et roi Salomon, tu dis que la jalousie et les grès entre les écrans, je ne suis pas jalouse. Dis qu'il faut faire les choses comme il faut, c'est la jalousie là. Hmm? Parce qu'on ne m'a pas invité. Invité dans quelle chose? Autant que je me déplace pour les conneries. Tu me connais très bien, roi Salomon, tu me connais. On t'a dit, il faut que je te déplace pour les conneries. Renseigne-toi très bien, mais jalousie de quoi, Salomon? De quoi? Il y a d'abord eu quoi là-bas? Tu vois que moi, je vais me déplacer pour aller à Strasbourg, ici à côté, pour un truc que je n'étais pas préparé, pour un truc qu'on n'a pas dit aux gens, hein? Parce qu'on ne m'a pas invité. Invité qui, moi, allait les voir, il y avait d'abord qui là-bas? C'était un truc open, ouvert. Qu'est-ce que quand sont partis? Les camps de la mauvaise vie, des baskets, la basse cour. Là, je suis jalouse, on va inviter. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Natacha de Monaco aussi n'est pas écran. Pourquoi on n'a pas l'invité? De comment on n'est pas écran? On n'a pas aussi invité. Hein? Nous devons qu'on n'est pas écran. Valérie Amour n'est pas écran. Charles Lune, quoi, n'est pas écran. Voilà les blogueurs que moi je parlais. Pourquoi on n'a pas aussi invité? Donc ils sont aussi jaloux. Parce que c'est Nietzsche. C'était du n'importe quoi. Hein? C'est du n'importe quoi. Ce sont les tribalistes qui étaient là-bas. Il n'y a que les tribalistes qui n'aiment pas les bamiliques qui étaient là-bas. Mais malheureusement, la seule femme bamiléquée qu'ils essaient de prendre un peu, c'est l'eau, Fondia. C'est pour ça qu'ils sont dans les ténèbres. Quand tu vois Elise Batat avec son cavalier, elle ressemble à quoi? Hein? Anne Bafan, elle ressemble à quoi? Ou pas de quoi? Parce qu'on ne t'a pas invité. Moi, elle ne m'a pas invité, d'accord. Les autres personnes, on n'a pas aussi invité les autres stars. Valérie Amour n'est pas aussi de là-bas, on n'a pas aussi invité Valérie Amour. Lui, Chalon, quoi? Le blogueur et quand? J'étais l'autre jour avec sa mère. Parce que. J'étais avec ça. On l'a pensé invité pourquoi? Quand vous ne connaissez rien, tenez vos gueules. J'invite de Londres. Hein? Un grand blogueur comme lui, vous n'avez pas invité aussi. Il n'était pas là-bas. Vous parlez de quoi? Quand vous avez chié pondre sur vous là, les autres pourris là, vous venez à parler ici. Et avec qui? Il faut inviter les blogueurs. Hein? Les vrais gens. Qui peuvent faire que l'association là, que c'est nous qui devons mettre à Tebankou. En haut. Et je ne parle pas d'abord quelle vue. Il y a d'abord quoi? Elle a deviné quoi, Minga Yondi? Fallait voir le cabas. Quand on parle de cabas des écarts, il faut quand même faire un petit cabas un peu joli comme on parle là, que, oh, on voit un peu les formes. Elle est là, le cabas, elle est là, elle s'est posée sur elle, on dirait une morte vivante d'abord, comme d'abord là. Singe mal noirci, comme elle avait ses fumées à la con là. D'un fumée encore, non? Ton mari est où? Qui présentait les fumées? Et
Vraiment. Voilà, et aujourd'hui, c'est les queues de bœuf fumée que nous on présente aujourd'hui. Allez encore fumer. On voit ça. Hein? Fallait voir quand son mari présentait. Ils étaient en train de fumer. Quand les voisins, sont allés dire au père des enfants là que ici, là, nous n'accepte pas. C'est les fumées. Tu as cru que tu crois qu'en France, parce que tu as une maison individuelle, que tu vas te permettre de fumer là, les poissons fumés, machin, tout là. Maman. Mbap. Direct. Où? Allez, vous oubliez. Achetez-les. Direct. On dit attends, là. J'ai ma maison. Tu n'as plus rien. Mbap. Donc tu vas fumer. Tu vas fumer. J'ai dit que. L'histoire, c'est là, on me trouver ici. Et c'est le cas de la Chico qui va la trahir. Ma soeur, chérie, quand la Chico, tu veux. Quand ils se battent, à couler, à un dadje, il y a. Quand toi, Ashley, on est déjà. T'as Ashley. Avec les enfants. Ah ouais. Donc tu crois que. Le mari a laissé la maison pour les enfants. Les enfants ont atteint l'âge de 18 ans. Il veut récupérer sa maison. Hein? En plus de ça, tu vas épouser un homme. Tu vas habiter avec lui dans la maison. Pourquoi le même chemin que Natacha de Monaco? Elle épouse les hommes pour venir habiter dans les maisons que les autres hommes ont construit. J'ai dit que, ici, là, ça va le trouver ici. Les fumées de ça, les blancs avaient. Avec ma, vous savez, les petits villages là. Les gens ne sont pas habitués à avoir les odeurs comme ça, les odeurs de fumée chaque temps. Les odeurs qui ont fait ceci, ça embaume le quartier. Hein? Les odeurs qui embaument le quartier. Vous venez parler à Facebook. Tu crois que tu vas rester là-bas? Même c'est même la commune qui est partie dire à ton mari que fais-les partir de là. Parce que les odeurs, les fumées, sans compter qu'elle avait fait un truc animalier là-bas. Et les chèvres, et me bouge de roche, abazabazabazabaz dans la maison de Touy. Il est quoi presque? Dernier rempart, HLM. Nous voici aujourd'hui. Et tu vas encore me parler? Tu peux parler quoi qui? Moi, j'ai la vue panoramique, hein? Panoramique ici, je vois tout. Toi, quand tu lèves le matin, c'est un mur qui te trouve comme ça en boum. Alors qu'avant, tu avais. Maman, il fallait la voir quand elle se vantait. Avec les voitures. Ça fait longtemps que tu ne conduis plus, ma. Donc, tu as aussi retiré les voitures, là. Hein, ma. Hé, les voitures, oh. Moi, voici, oh. Oh, là, mon champ de maïs, oh. Oh, quoi, 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 quoi. Et on dit, mine, on dit. Et on dit, c'est vite des HLM, hein. Parce que les gens qui ont les HLM dans ce pays, surtout les Camerounais, nous, on est à mort depuis. Mais nous, on résiste dans les HLM. Aujourd'hui, on est où? Vous oubliez case de départ, HLM. Vous voici, non. Ma part, mais c'était case de départ, HLM, non. Donc, toi, vous êtes les petits HLM des réseaux sociaux, vous venez m'insulter. N'insultez pas les HLM, les HLM sont recherchés, hein. Les HLM sont recherchés. Case de départ. Bien, c'est bien, HLM. Moi, je m'appelle dans ma fenêtre là-bas, je vois tout. La cuisine, je vois ici, là. J'ai fait mes fenêtres sorties ici. Je suis même souvent mon chéri ici la nuit. Parce que personne ne nous voit. En plein air. Dans mon balcon. Toi, même le balcon, tu n'as même pas. Case prison. Vous êtes né en prison, vous retournez en prison. Imagine avec toute la maman d'enfant là. Eh ben, dis donc, ça doit être un bordel, non? Voilà les écrans positifs des réseaux sociaux. Écran, écran. Je suis Ekamboul, je suis Ekanoa. Et c'est moi que je suis dans les HLM. Vous tous là, vous allez me retrouver dans les HLM ici. Vous voyez que le président ne m'équipe pas dans HLM là que parce que c'est facile. Il y a ses bénéfices. C'est les bénéfices. Vous ne savez pas que le HLM c'est les bénéfices. T'as un bénéfice. Vous venez me chercher des problèmes. J'ai dit que hein, c'est vous qui venez me montrer que vous êtes les gens dans les réseaux sociaux, non? La fois, je vais être là. Je suis là. Ma Dieu, là, c'est énergiseur. Facebook, c'est Terminator. C'est ici qu'on voit tout. On a beaucoup de malades invités ici. Emmanuel, c'est ici.
Vous tous. Et moi, ça là, c'était clair. Ici, il faut faire la piscine. Il faut faire ceci. Oh, j'ai cette société, j'ai 4 villas. Pour les filles, si elles font même commencer. Tu peux commencer à aller. Tu peux aller manger, les manger le feu pour être comme elles. Pourtant, dans votre job, là, c'est de malin, vous êtes là-bas. Ne touche pas mes affaires. Ne touche pas mes affaires. La femme dit que tu vas sortir de chez moi. Maman. Je suis restée comme ça. J'ai dit que je commence par où? Je parle l'histoire si je ne parle pas, que je ne parle pas. Je fais comme ça maintenant, c'est bon. Il faut les voir. Je suis du RDPC, RDPC. Nda, vous êtes le RDPC, on vous sourit comme ça. Voilà. Les gens qui sont beaucoup de la veuve joyeuse pendant la canne. J'avais dansé ici, les Waros. J'avais dansé ici. Vous vous souvenez l'histoire? Ici. On a coupé la vidéo, on a dit que c'était au mon fumé. Elle dit, pour le billard, chérie, coco, mon chou. Maman, ils ont coupé ça. C'était chaud. À WhatsApp. C'était chaud à TikTok. Ma fille me dit, mais maman, mais j'étais là quand tu t'es filmé. Je t'ai même filmé. C'était moi. C'est moi qui t'ai demandé d'aller faire de ton tout comme tu fais souvent. Mais pourquoi elle dit ça? Elle dit que non, tu parles de mes choses. Elle dit, c'est parce que c'est la seule qui se fâche toujours. Elle dit que ma fille ne te fâche pas. Elle dit, c'est très dur. Oui. Elle dit que ne regarde plus mes choses. Ne te fâche pas, c'est maman. Toi, tu sais que ça se passait ici. Parce que la tenue là que je portais, rose là, c'était Tommy Hilfiger. C'est elle qui m'avait fait ça. Donc, elle me dit, mais maman, c'était ici. C'est une vieille vidéo. On dit, mais ce que tu l'as regardé pour bien. J'ai dit, alors, c'est mon chou, ça fait quoi? Je vais regarder pour bien. Quoi. On a coupé, on est net. Il fallait voir les mariages et vous. Vous invitez la racaille au Cameroun. C'est pour ça que Facebook, c'est un. Je vous regarde. Moi, je n'ai pas peur de plaindre. Moi, je sais me présenter. Je sais parler français qui est très poignant. Vous croyez que je. La vraie, je n'oublie jamais rien. Ouais, je vais regarder mon film chinois. Vous mettez plus les étoiles. Étoiles. Maman, pour les voir. Il passait. C'est j'ai Natacha de la forêt. Elle a même dit que il va se plaindre. Regarde un blogueur qui va se plaindre chez une blogueuse qui est prête à tout pour qu'on lui mette les publicités parce qu'elle n'a pas de publicité. Les gars qui dit ah ouais, elle a même dit que ma mère doit d'aille. Tu penses que petit bâtard, petit fanfaron, que tu vas aller te plaindre chez Natacha de la forêt là, que j'aurais peur de toi, que ça toi, Natacha de la forêt, tout le monde, vous te bandez des haineuses braquades, même pas les haineuses de la forêt là, les ténébreux là. Quand il dit que je finis avec vous, je fais un seul direct, je vous ramasse vous tous. Regarde mon bâtard, un homme qui n'arrive pas à assumer sa page des haineux. Ton framponnement, c'est seulement les femmes. Les femmes. Anne Ouama. Les pleurs de ça. Anne Ouama. Rien que les femmes que tu insultes. Si j'insulte ta mère, et alors? Mais insulte ma mère, ça passe. Ça ne chauffe pas. Tu vas te plaindre chez qui? C'est elle qui va me faire quoi? Elle est jalouse de toi parce qu'elle n'a rien. Je ne suis rien, je n'ai rien. Ce n'est pas grave. Mais je bois mon dabobel chez moi. Non, je n'ai jamais soutenu. Cameroun, Afrique. Cameroun, machin. Non. Dans la Cameroun, jamais. Je n'ai jamais soutenu. Bah, tu savais très bien que j'allais prendre le côté de la femme. Tu savais que moi, je n'ai jamais soutenu. La seule, je n'ai jamais soutenu. Dis-moi là où je l'ai soutenu, ma reine Mboudou. Oui. Quand ça a commencé? Parce que ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Quand ça a commencé, c'est elle qui commence avec la femme. Là. Ça a commencé par les trucs. Elle habitait encore chez la femme et je ne savais pas qu'elle habitait chez la femme. Oui. Quand ça a commencé, c'est là que j'ai dit que comment elle a les problèmes. J'ai mis sa photo, que je la soutiens, c'est tout. Mais après, quand la dame là, elle est venue ouvrir la porte pour dire que c'est ma maison ici, sors de ma maison, sors et tout. C'est là que j'ai dit que. Ah. Donc tout ce qu'elle nous montrait, elle n'était pas sa maison. Je n'ai jamais parlé. Parce que cette histoire de Marine Boutou avec la propriété de la maison, ça veut dire qu'elle a commencé depuis un moment dans les réseaux sociaux. Vrai ou non? Oui. Oui.
C'est ce que j'aime, que moi je la soutiens, c'est tout. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça le lendemain. La femme allait venir la mettre dehors. Que ce n'est pas sa maison. Parce que quand elle nous parlait, c'est au début, ça a commencé depuis. Nous, on ne savait pas qu'elle habitait chez la femme. Mais la femme, quand elle insultait les réseaux sociaux, c'était chez la femme. Après, ça, je n'ai plus rien dit. C'est pour ça qu'il faut souvent suivre cette femme-là. Hein. Parce que quand elle commence, quand elle commence à faire des problèmes, on ne savait pas que ça va se finir, ça va finir comme ça, c'est tout. Oui. Oh, merci Nadine. Oui. Hein? Oui, moi j'ai... Bah oui, c'est tout. Moi j'ai... Attends. Merci beaucoup. Bah oui. Moi, je l'ai soutenue au début, parce qu'au début, cette femme n'était pas connue. Ma vidéo bouge, ouais, pardon, mettez les cœurs, ça bouge. Vous savez que... Oui. Oui, c'est ce que je t'ai dit, Douala Cameroun, parce que je dis ça, parce que elle a commencé à... C'est elle-même qui commence à insulter cette femme dans les réseaux sociaux. Insulter cette femme, dit qu'elle va porter, elle a porté plainte à la femme, comme d'habitude, tu sais que ce sont les procédures, ces gens sont des gens qui aiment la procédure. Qu'il faut que tu portes plainte, il faut que tu fasses ceci. C'est comme ça, alors que la femme a dit, ok, même si tu me portes plainte, parce que la femme avec la plainte était déjà ou dans l'heure, sur des cellules et tout ça. La femme a dit, quand tu me portes plainte, c'est comme ça, alors que la femme n'a pas, là-bas le lendemain, elle part en cop. C'est là que je suis resté tranquille. Moi, mais j'étais étonné. C'est tout. Après, je n'ai jamais rien dit de Marlène. Moi, je pense à elle par rapport à ce que les gens nous montrent dans les réseaux sociaux que je suis. Et finalement, on voit qu'il n'y a rien. Parce que c'est juste elle qui va montrer la vie. Elle montre même les tickets de là où elle porte les tickets, là où elle porte le pays, leur sac. Elle vient mettre dans les réseaux sociaux. C'est, ça a coûté 450 euros. Il faut qu'elle filme, elle vient mettre dans les réseaux sociaux. Ça a coûté ça. Donc, elle vient mettre dans les réseaux sociaux pour montrer que ça a coûté ça. Ça, ce sont les tout ce sont les noms affranchis. Moi, je suis une affranchie. Quand tu es affranchi, ça veut dire quoi? Affranchi, ça veut dire quoi? Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ce sont les noms affranchis qui viennent des réseaux sociaux montrer que moi, j'ai ça. J'ai payé la chaussure-ci à 50 euros. J'ai payé ça à 10 euros. J'ai payé mon truc, mon boss aussi à 30 euros. Avec les preuves. Ce sont les gens qui n'ont jamais rien compris parce qu'ils veulent le respect. Ils pensent que, en montrant qu'ils peuvent, ils vont montrer le prix de leur. Et puis, ce sont les étiquettes. Ça ne chauffe pas. C'est nous, quartier des riches, quand tu passes ici quelque part là, tu vois comment on met les sacs Dior, les Chanel, les sacs là comme ça là. Ils jettent ça avec les prix à l'intérieur. Tu peux prendre ça, tu viens monter ça à Facebook par rapport à quoi. Tout le monde, ça, même ta copine, peut-tu dire à ta copine que ouais, Marco, garde-moi ça. La prochaine fois qu'on se voit, tu me dois, je vais mettre, même ta copine peut seulement t'envoyer ça. Tu mets dans les réseaux sociaux. Mais c'est une honte. Vous n'arrivez pas à payer le loyer des gens, mais c'est vous montrez que vous avez les vies meilleures. Quand pour Emmanuel c'est arrivé, c'est là alors que j'ai dit que dans le tout, si je veux finir avec elle. Ne venez pas montrer la vie qui n'est pas pour vous. Vous venez à Paris, vous mangez la viande en or. Maman, avec les pépites d'or et tout ça. Et après, vous n'arrivez pas à payer le loyer. Vous n'avez rien fait dans votre famille. Même les voitures que vous les sacs, ce n'est pas pour vous. Les voitures, ce n'est pas pour vous. Vous vivez alors de quoi? Mais vous dormez même bien. Je suis que le paracétamol en train de vous prendre vos cerveaux. Hein. Bah, parce que là, je ne peux pas. Maman. Bah, donc, vous vivez que dans le paraître, alors que vous n'avez rien. Alors, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense à elle, qu'arrêtez de nous manger les réseaux sociaux. Parce que juste maintenant, allez continuer à nous mentir qu'elle est chez elle. Si, ce n'est pas moi qui sois sur les réseaux sociaux. Et c'est ma soeur, qu'est-ce qui me dit que, rien. C'est moi qui sors. Parce que c'était un secret de polichinelle. Donc, personne ne devait être au courant. Vous l'avez dit, non. Personne ne devait être au courant. Quand je mets à Facebook avec preuve, elle peut me tuer jusqu'à aujourd'hui. Ben, c'est tout. C'est ça que. Ouais, il y a un restaurant à Koubouva là-bas. Est-ce que moi je connais la chose là? Ici à côté de la gare là. Est-ce que Madame Chaffier a besoin de soutien? Seulement tu vas porter plainte aux gens. Marlène, tu vas porter plainte à Guylaine Chaffier. Elle a fini de payer le loyer de la dame là. Ils sont encore en procédure. Comment tu es en procédure? Tu vas encore porter plainte à quelqu'un qui elle a les pieds sur place. Laissez les choses là. Il y a certains gens qui m'entendent que la police a fait ceci. Quand toi-même,
on est venu te faire ça là. La police était où pour venir te protéger. C'est vous qui avez les grands noms à Yaoundé. Je connais telle famille, je connais telle personne, je mange qu'avec comment on appelle, les élites. Mais quand les élites alors, ta bande voit comment on met tes choses dehors comme ça là, ça se manque. Vous savez, le Cameroun, c'est pas pour les déchets. Hein? Parce qu'il y a certains déchets genre dans les réseaux sociaux, ceux qui, chaque temps je te porte plainte, chaque temps je te porte plainte. Non, toi-même, tu es dans les problèmes au niveau du pays. Et toi-même, c'est toi-même qui va encore porter plainte. Tu vois, Malien Boutal a fait combien? 10 ans de prison. Une ancienne prisonnière. Vous oubliez ça? Donc, quand les gens comme ça, là, viennent faire ce... Est-ce que, attends, vous ne connaissez pas qu'elle était en prison après l'histoire de Tekafout? Ah, laissez nos choses là. C'est pour ça que... Bon, moi, je ne veux pas entrer dans ces choses avec elle, mais moi, elle ne peut pas qu'il laisse. Quand tu portes plainte à quelqu'un, tu n'as même plus le droit de venir prononcer son nom dans les réseaux sociaux. Que Malène laisse ça. N'oublie pas que toi-même, ton passé est clair au niveau du Cameroun. Quand on met quelqu'un en prison au niveau du Cameroun, surtout dans votre structure de sport et tout, ça veut dire que tu as fraudé. Donc, tu as volé l'argent à la FECAFOOT. On a pris et tu as accepté. Tu as fait la prison. Tu as fait combien de prison? Pas 10 ans ou 15 ans de prison. Après, tu es venu ici. Laissons ça. Quand vous aimez toujours montrer que vous n'êtes pas en bas, c'est pour ça alors que vous allez toujours rester en bas. Quand on connaît déjà vos machins là, voilà, c'est quoi? Vous êtes un personnage âgé. Donc vous croyez qu'on ne connaît pas comment ça se passe dans les réseaux sociaux? On ne connaît pas tous vos délits que vous avez faits? Hein? Vous-même, vous avez là les dossiers noirs. Hein? Tu fuis, tu pars ici au Cameroun, tu laisses ton mari ici. Je ne suis pas même là pour marraine, moi, je dis seulement que moi, je suis là, je dis ce que je vois dans les réseaux sociaux. C'est vous qui venez vous montrer comment la vie est tellement merveilleuse pour vous. Parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous voulez que les gens vous adorent parce que vous voulez montrer, vous êtes les belles femmes, vous avez ceci. Vos passés sont tumultueux. Et les prisons, et les vols, et les chassements de maisons, et les mariages. C'est vous qui venez encore vous asseoir sur les réseaux sociaux, porter plainte aux gens. Alors que vous-même, vous êtes là, tout le monde, on ne peut même plus vous faire confiance. Comment tu peux être dans le RDPC? On te fout le camp, comme la femme attaque là, à Yaoundé là-bas. Yaoundé, c'est la capitale politique. Là où tu dis que tu es dans le RDPC. Imagine alors. J'étais vu là-bas, avec le tissu de cœur. Donc, pour bien, n'était pas au courant de tes problèmes d'argent là. Là où il y a les noyaux d'argent, là où l'espèce sort. On t'a payé dans votre structure là. Au Cameroun, quand on veut te mettre à terre, quand on veut te humilier, hein, c'est très facile pour eux. Tu entends, non? Donc, la plainte que tu vas donner ça à Madame Chapu là, c'est toi-même que tu vas encore te retrouver dans les problèmes. Vous aimez tous les procédurés. Il y a tous les procédurés au Cameroun. Moins d'erreurs. Vous connaissez les gens, mais quand on vous met dehors, on vous fait. Comme les hommes, vous, maman, la honte, la domination de ça, la honte de ça, Malène, c'est toi qui vas dire que tu vas porter plus de Malène Chapuis. On est où là? On est où là? Tu as oublié tes antécédents avec le Cameroun? Hein? Vous aimez entendre? Tu devais être député, non? C'est consistant. Qui va? C'était une façon de te chasser qu'on ne veut pas de toi. Oui, on a monté la fumée, venez là dehors. Il faut comprendre ça. Qui de là-bas, tu reviens et réussis. Avec une veuve joyeuse. C'est tout. Ils savent comment vous chasser dans les choses-là. Que tu vas dire quoi? Tu vas dire... Ouais, tu ne touches pas mes affaires, Maman, quand on a mis ces choses dehors, maman, les petites choses et tout. Donc, je dis que... Vous savez, vous ne voyez pas la vie comme moi je vois la vie. Parce que tu sais, tout le monde peut regarder un même film. Mais ce que moi j'ai vu, c'est parce que toi tu vois. On parlait dans un restaurant. Ce que toi tu vois, c'est parce que moi je vois. Je vous dis. Oui. Oui, il faut bien regarder la vie. Il faut regarder d'abord son passé. Quand vous êtes chassé au Cameroun, on ne veut pas de vous. On a fait ça à Tebankou, non? Moi, à Tebankou, j'ai dit qu'il va y être machin tout là-bas. On a chassé à Tebankou, là, il est venu ici. Vous voulez que je parle pour à Tebankou, vous allez rire jusqu'à. Laissez ça, dis donc. Là, les gars, ils sont là sur place depuis. Eux aussi, ils veulent la place. Toi, vous sortez de l'Europe, vous venez dire que vous voulez avoir la place pour eux. Pour moi, c'est que les gens, ça se passe comment? Les gens ne font pas la part entre les vues virtuelles
et la réalité. Parce qu'après, on va dire, oh, on te soutient, oh, oh. Mais va alors sur place. Il n'y a plus personne qui te soutient. Tu n'as plus personne. Ah oui? Parce qu'on ne te connaît pas, on ne sait pas où tu sors. On ne sait pas ton petit gré, où tu as vécu et tout et tout. Tu viens, tu vas, eux, ils sont là depuis. Ils ont là, tu sais, leur petit, ils ont là leur petit groupe. Toi, tu viens. Et quand tu viens, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien et tout. C'est parce que tu as un nom qu'on a appelé à tes banques, qu'on va te céder la place. Jamais. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est ce que je vous dis. Je n'ai plus assez de batterie, mais Waros. J'espère qu'on a bien discuté aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas mon. Notre truc qui dérange un peu aujourd'hui. Voilà. Parce que là, notre truc qui est gâté et tout et tout. Et tout. Moi, je vais regarder mon film. Je n'ai plus assez de batterie. Je vous reviens tout à l'heure. Donc, c'était nos petits rires de ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a passé. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai parlé d'Atebanco. Je vous dis, non, je ne parle pas d'Atebanco comme ça. Est-ce que c'est toi qui m'as dit que parlons pas d'Atebanco? Pourquoi je parle de lui? Il faut écouter ce que je dis. Donc, voilà ce que j'ai dit. C'est ça. Quand on va y se débarrasser de toi, hein. On va chercher comment se débarrasser de toi. Ce sont les mêmes gens qui sont avec toi. Tu ne veux pas quitter l'Europe. Sous prétexte que oh, tu connais cette. Mais attends, quand te. Ok, vous vous souvenez un bon lang, ceux qui disaient qu'il était le fils du président là. Vous vous souvenez à l'époque, non? L'ambassade à Baolan. Quand on avait fait la même chose à Baolan. On avait mis là où il habitait. On avait le jour au lendemain, on a dit qu'il ne payait pas les lois. Alors qu'il payait les lois, on a mis les choses dehors. Pour faire quoi? Pour le mettre à terre pour que les gens se moquent de lui. Là, on entre dans la politique comme ça. C'est quand tu touches les ondes sensibles. Et quand tu veux montrer que tu es comme ça. J'avais dit ici, taper mon main, que tout le monde qui était à la canne, tout le monde qui a mis la main, qui connaît ce qui se passait à la canne là, vous tous, vous serez souillés dans les réseaux sociaux. Méfiez-vous, la politique, ce n'est pas comme Facebook. Hein. Facebook, c'est la politique ici, mais il faut savoir jouer à Facebook. Il faut faire très attention. Tu veux que tu es dans le RDPC, il y a les femmes bien sur place. Il y a l'argent. Les Waros. Money. Le seul pays dans le monde qui a l'espèce, c'est notre continent que vous voyez là. C'est moi qui vous dis que j'ai vu. Maman. Et toi, tu as les antécédents de loyer. On te met dehors. Et c'est toi qui vas. Et moi, elle devait se présenter dans une circonstance pour être quoi. Hey! C'est fini. Elle ne peut plus se présenter. On ne veut pas les gens qui ont des antécédents, les voleurs, les prisons, que les gens qu'on chasse. Moi, je ne te parle comme ça, parce que je suis une jeune fille boulot. Parce que le boulot, elle m'entend que je suis. Oui, il faut être déjà assise. Tu ne peux pas que tu es président d'une tontine, alors que tu n'as même pas là où habiter. Une président d'une tontine doit déjà avoir, au Cameroun là-bas, sa villa, sa maison. Quelque chose qui lui rapporte les sous pour qu'elle-même, s'il y a un problème, c'est elle-même qui peut. C'est ça. Est-ce qu'on va prendre n'importe qui? Et tu dis que tu vas toucher qui, Madame Chatouille? Hein? Madame, si tu m'entends, moi je n'ai rien à foutre de toi. Fais attention là où tu vas partir là. Tu vas encore aller créer un autre trou là-bas pour toi-même. Tu as fait la prison, après, tu es venu en Europe, tu t'es marié, on ne donne plus. Tu peux au Cameroun, on te suit encore là-bas, Tu pouvais rester, tu finissais ta maison. Vous courez toujours. Voilà là. Voilà. Tu vas encore aller où maintenant? Même si tu fais n'importe quoi, c'est infini. Oui? Parce qu'il y a tous les gens qui envoient les. Ah, tu la connais. Elle a Facebook. Hein? Là, voilà ce qui est dans ce nuit ici. Là, voilà ce qui a fait ceci ici. Du coup, ils envoient ça dans le groupe. Dans leur groupe, là, pour sécuriser là. Donc, quand tu arrives, tu vois souvent comment tout le monde te regarde. Maman. Donc elle veut montrer qu'elle a une bonne image alors qu'elle est salée comme ça. Ça se passe comme c'est le monde politique. C'est le monde qui est comme ça. Il faut faire attention. Donc, un conseil pour toi avant de finir, Marie Mboutou. Si tu as porté plainte, mieux tu retires la plainte là. Parce que toi-même, on va trouver qu'il y a même certaines personnes qui t'ont encore porté plainte. Depuis que les plaintes même que tu as oubliées, c'est toi qui vas rester. Le Cameroun n'est pas facile. En tout cas,
Je reviens tout à l'heure. Hein. Je n'ai plus acheté de batterie, ça me souvient déjà. Merci beaucoup pour les étoiles, même comme ce n'était pas beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup pour les étoiles, merci beaucoup pour les gens qui ont partagé. J'espère qu'ils ont partagé. Mmh. Oui, c'était pour être de oui. Donc voilà, je reviens tout à l'heure dans une, le temps que je recharge, bien, et je vais voir la situation de mon tour. Vous savez que moi j'aime danser. Ou la situation de mon tour aussi. Puis on va voir tous les stands à la toile. Je vous aime, je vous embrasse. À tout à l'heure, merci. Ciao, ciao.